avec 16 mesures. En premier plan, il y a un enregistrement de flûte à bec, c'est la mélodie. Ensuite, il y a une contre-mélodie, un contre-chant avec les arpèges à la guitare. Et le tout s'est accompagné par un ostinato rythmique sur la batterie. Je vous laisse découvrir ma création. Alors bonjour, je m'appelle Lucas Yao, je suis en classe de 6ème 3 et aujourd'hui je vais vous présenter mon morceau GarageBand. Alors vous pouvez voir la mélodie ici en vert, c'est-à-dire le premier plan, et le second plan, accompagnement, en bleu. Alors voici mes réglages. Dans mes réglages, j'ai mis le tempo à 90. J'ai aussi mis la signature temporelle à 4/4 et la tonalité en do majeur. Je vous laisse l'écouter.